Mais on sait que on a une obligation de prendre des points sur les 9 matchs à venir pour éviter de se faire peur. Alors les derniers matchs, les 5 derniers matchs, notamment les 3 derniers, se sont soldés par 3 défaites. Il faut impérativement qu'on renoue avec l'idée de prendre des points. Alors on joue les leaders, c'est pas tant le fait d'affronter le leader, c'est surtout qui peut être délicat. C'est surtout l'idée de dire qu'on doit changer le comportement sur le terrain, d'être beaucoup plus volontaire, beaucoup plus déterminé que ce qu'on a pu l'être sur les 3 dernières rencontres. Même si je pense qu'à un certain moment, on a senti malgré tout l'équipe qui était émoussée, qui avait des difficultés, parce que l'envie, je ne peux pas leur enlever ça, elle est toujours présente. On n'a peut-être pas les moyens de pouvoir faire mieux lors des précédentes rencontres. Aujourd'hui, on a eu 15 jours pour se ressourcer, pour retrouver des forces, et j'espère que ça portera ses fruits. C'est toujours bien d'avoir une coupure pour pouvoir déjà permettre aux joueurs d'évacuer toute la frustration, toutes les choses négatives. Il y a eu des jours de repos qui ont été donnés, et puis après, reprendre petit à petit, redonner de la confiance à ce groupe qui était peut-être un peu en manque de confiance après les derniers résultats. Donc redonner de la confiance, les rebooster pour aller chercher enfin les points du maintien.